Alors bonjour Arlette. Bonjour. Tu publies ce livre, toujours militante, aux éditions Les Bons Caractères. Alors, c'est à la fois une réédition du livre Moins une militante, qui était paru en 1974, et puis également une longue postface qui revient sur les années qui se sont écoulées depuis, ton engagement et les combats auxquels tu as participé. Peut-être pour commencer, pourquoi ce livre ? Je dirais d'abord parce qu'on me l'a demandé et que en relisant ce que j'avais écrit il y a 47 ans, moi j'ai pensé que ça reflétait vraiment bien mes idées, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Donc bien sûr, il fallait un petit peu le compléter avec quand même les 47 ans qui se sont passés depuis, mais je crois que comme ça, avec la postface, ça fait un livre qui témoigne bien de mon combat. Alors, donc tu es militante maintenant depuis plus de 60 ans. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a décidé à t'engager politiquement au tout début des années 1960? Oui, lorsque démarre la guerre d'Algérie, j'ai 14 ans et avec plusieurs jeunes de mon quartier, on se pose des tas de questions sur cette guerre et assez rapidement on se prononce pour l'indépendance de l'Algérie sans militer vraiment en quoi que ce soit. Ça viendra plus tard dans les années 60 où ce qui me fera le déclic pour commencer à militer sur ce terrain, ça sera la manifestation que les étudiants organisent en octobre 1960. Et à partir de là, je vais avoir envie de m'engager en politique. Alors, au cours de toutes ces années, il y a eu de nombreuses grèves, soit auxquelles tu as participé, ou bien que tu as soutenu dans différents endroits, à différents moments. Est-ce que parmi toutes ces luttes, il y en a une qui t'a marqué particulièrement et sur laquelle tu voudrais revenir? Alors bien sûr, j'ai vécu mai 68. Je l'ai vécu plutôt en dehors de l'entreprise, comme je le raconte d'ailleurs dans mon livre, puisque les salariés de l'entreprise n'ont pas pu vraiment occuper le siège du Crédit Lyonnais comme on en avait l'intention. Et ça a été un peu frustrant de ce point de vue-là, de ne pas mener vraiment une grève où on se serait rendu maître, en quelque sorte, de l'entreprise. Par contre, en 1974, sur deux plans, d'abord sur le fait que vraiment, là, on a pu mobiliser à l'intérieur de l'entreprise de nombreux grévistes, et puis aussi sur le fait qu'en 1974, on a pu faire que les travailleurs vraiment dirigent leur grève par l'instauration d'un comité de grève élu qui a permis que non seulement nous fassions grève pendant 2 mois, mais qu'en plus nous la contrôlions pendant ces 2 mois sans se laisser disperser par les conflits entre les syndicats et différentes choses. Nous avons obtenu 448 francs, 20 points, un jour de congé supplémentaire et 64% des heures de grève payées. Quels sont ceux qui sont pour continuer la grève la semaine prochaine ? Donc ça a vraiment été une grève en plus où j'ai découvert que des travailleurs que je côtoyais, mais dont j'imaginais pas peut-être qu'ils seraient capables un jour de faire grève pendant 2 mois, se sont révélés vraiment des combattants de la grève et qu'ils ont tenu le coup jusqu'au bout. Et ça, c'était une merveilleuse leçon de choses pour des révolutionnaires qui font tout à fait confiance à la classe ouvrière pour diriger un jour la société. Alors 1974, c'est également l'année de l'élection présidentielle et juste après la grève du Crédit Lyonnais, tu as été candidate. Tu étais alors la première femme candidate à une élection présidentielle, la première travailleuse. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette campagne ? Oh, bah d'abord, une énorme responsabilité
de devoir représenter mes camarades de lutte ouvrière dans cette élection. Donc, et d'une part, et puis d'autre part, une immense fierté, parce que c'était la première fois qu'une femme se présentait à cette présidence de la République. Et j'avais vraiment à cœur de faire entendre non seulement le camp des travailleurs, ma classe, mais aussi, bien sûr, de dénoncer la situation qui était faite aux femmes. Elles sont innombrables, les femmes, que scandalise la situation qui leur est faite dans cette société. Le fait que les femmes soient exclues de la vie politique et reléguées au travail, aux emplois les moins qualifiés, les moins payés. Elles sont innombrables, celles qui s'indignent parce qu'une assemblée d'hommes prétend s'arroger le droit de décider pour elles si elles peuvent avoir ou pas le droit d'interrompre une grossesse non désirée. Elles sont innombrables aussi. Elles sont innombrables aussi, celles qui ressentent le fait que non seulement la droite, mais aussi les partis de gauche, ne s'intéressent à leur sort qu'en période électorale et que pour essayer de gagner quelques voix. Et cette situation d'infériorité et finalement le fait d'être une femme et de se présenter a secoué un peu, et même peut-être beaucoup, les partis politiques qui n'avaient pas été capables, bien que ce soit des grands partis, de présenter une femme. Alors, à travers le livre, on voit que tu as participé à de nombreuses campagnes, tu as été candidate 6 fois à l'élection présidentielle et puis dans d'autres élections également. Et ce qu'on voit également, c'est que, en fait, dans ces différentes campagnes, les idées que tu as portées, que tu as défendues, sont les mêmes que celles que tu défendais dans les luttes de travailleurs auxquelles tu participais. Oui, alors c'était un exercice aussi un peu différent, mais sur le fond, c'est vrai que la nécessité que la classe ouvrière se batte, s'organise, si elle ne voulait pas tout le temps être victime du capitalisme, je l'exprime dans mon combat quotidien, mais je l'exprimais aussi, dans ces élections à des millions de personnes qui ne connaissaient pas Lutte ouvrière, qui ne connaissaient pas Arlette Laguiller, bien sûr, et qui découvraient que il y avait un courant communiste révolutionnaire qui voulait militer dans le sens des intérêts des travailleurs. Alors Arlette, nous sommes maintenant en 2021. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui encore les idées communistes et révolutionnaires que tu as défendues tout au long de ton existence? Je crois que par rapport, par exemple, à l'écriture du livre en 1974, la classe ouvrière, dans le monde entier, elle est toujours dans la même situation d'exploitation, d'oppression par une classe capitaliste qui ne vise que le profit, et que ça n'a absolument pas changé, et qu'évidemment, autant que il y a 47 ans, j'ai envie de défendre les idées de renversement de cette société capitaliste bourgeoise et son remplacement par une société dirigée par la classe ouvrière. Certains nous expliquent des fois qu'il n'y a plus de classe ouvrière, mais c'est une aberration. Enfin, la classe ouvrière, elle a peut-être jamais été aussi nombreuse dans le monde entier. On a connu beaucoup de révoltes ou de révolutions dans un certain nombre de pays depuis que j'avais écrit Moi, une militante, mais jamais la classe ouvrière n'a pu s'organiser en tant que classe pour aller jusqu'au bout de ces révolutions et renverser un pouvoir capitaliste. Et de toute façon, ce qui manque vraiment partout aujourd'hui, non seulement en France, dans ce pays, mais au plan international, c'est vraiment des partis communistes révolutionnaires qui, lorsque la classe ouvrière serait vraiment décidée à se battre et à se battre jusqu'au bout, pourraient l'orienter, lui éviter les faux amis et faire que finalement cette classe ouvrière soit victorieuse. Merci Arlette pour cette présentation du livre Toujours militante qui paraît ces jours-ci aux éditions Les Bons Caractères.